témoignage hier et qui est devant son écran présentement, qui voudrait avoir donc vos apports sur la situation qu'elle traverse. Je suis sûre que José n'a pas écouté les vocaux là. Tu as écouté? Non. Bah voilà, tu n'as pas fait ton devoir. Ma chérie, laisse-la. Et du coup, t'inquiète pas, Sandy, à cause de toi, je vais faire un bref résumé. Il a écouté, oui. Il a écouté, il m'a même fait un des commentaires. Ah, tu penses que j'écoute pour les choses? Moi, j'écoute. Voilà. Ne vous en faites pas, je sais que vous êtes devant votre écran et votre témoignage sera présenté aux téléspectateurs tout à l'heure. Nous avons ce message qui dit bonjour à vous. De toute façon, je vous aime là. Mon mari est jaloux de vous. Oh, non. Elias est marié à Kima. Sinon, je veux le prendre en deuxième époux. Je vous encourage. Monsieur, et tout, madame. Mais c'est allez. C'est vrai, je suis un bon cuisinier, c'est ce qu'elle veut dire. Tu acceptes d'être un deuxième époux. Et non, attends, relax. Où est-ce que nous y allions là pour la pensée du jour? Pour la pensée, c'est mieux. Merci, famille. On te dit, on veut t'épouser, tu dis merci. Non, mais moi, je remercie la personne qui a écrit. C'est ça, c'est plat comme idée, je ne pense pas. Pensée du jour. T'es bon? Ah oui. Deuxième époux qui la pensée du jour. Conseil du jour. Je vais te vendre. Conseil du jour. Comme bon, le jingle ne vient pas. Là, Non, je ne suis pas d'accord. C'est la pensée. C'est la pensée, ça. On va à la pensée du jour. Qu'est-ce que je vais faire, même? Je vais acheter une voiture. See you live. On entend le vent de la maman. Qui sont ceux qui sont pour qu'on vende Elias? Elles vont tous lever les mains, je sais. Sandy! Non, mais Navi Sandy, quoi s'il dit là? Navi Tugorona. Navi Sandy. En tout cas, on est déjà non, quatre. Après tout, si vous vendez Elias, on va faire comment ici? On va faire comment? Faut poser la question au théâtre. Félix est là pour nous. Mon bébé Félix n'est pas au Togo présentement. On lui envoie plein de gros bisous. Voilà. Il est bien arrivé d'ailleurs. Hein. Il est chez vous là-bas pour tous ceux qui nous écrivent depuis le Burkina Faso. Ouais. Sachez que Félix, a voyagé, il est chez vous là-bas. Il est en mission. Il est en mission, donc prenez soin de lui pour moi. Ouais. N'oubliez pas de lui remettre les passos. Je l'ai envoyé. Tout ça là, voilà. Je l'ai envoyé pour une mission. Vous nous aviez promis là. Mais, Là, ouais, il y a du nom. Yes. Alors, on a bonjour le plateau Nectar. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes tous mignons ce matin. Nyakadja depuis le Bénin. Merci beaucoup, Nyakadja. Bonjour Nectar, comment vous allez la matinée? Je vais bien, merci. Bonne émission. Vivez une matinale fun. C'est Frédéric depuis la Sakara. Bisous merci à vous. Merci, Frédéric. Bonjour à l'équipe de Nectar. C'est ma première fois de vous suivre, de suivre l'émission et j'ai beaucoup adoré. Osni depuis Kara. Merci infiniment. Merci, Doris depuis Cotonou, merci chère Doris et de gros bisous aussi. Hein. Et José va bientôt arriver au Bénin là-bas, donc ne vous en faites pas. La dernière fois, j'ai appris un mot. Béninois. Oui, que tu as oublié. Enfin. Vous étiez deux à la prendre en fait. Oui. Bonjour à vous, c'est monsieur Jérôme. C'est monsieur Jérôme depuis Kolwezi en RDC. Je vous salue. Merci beaucoup, Kolwezi. En RDC, République démocratique du Congo. Comment on dit Mbote? Matondo. Matondo! Matondo! Bisona biso! Et puis quoi encore? Bolingo. Bolingo. Ah, c'est bon là. Nalingi. Nalingi. Nalingi, Bolingo. Bolingo. Et Matondo. Matondo. Ok, voilà. Nous allons passer à la pensée parce que là, ça part en cacahuète vraiment. Ça, si tu aimes manger cacahuète, elle aime tellement ça. Ou ça part en sucette? Non, sucette là, c'est vraiment. Non, pas ça. Ou éléphant pour autruche ou bien pour selfie. Alors, celle que Sandra a touchée la dernière fois. Je m'en vais me mettre du gel hydroalcoolique. Sandra, va te mettre du gel hydroalcoolique. Ne parle pas. Toi qui ne sais pas dire les. Oublie. C'est bien, elle est partie hein, dans ses souvenirs. La pensée. Le chemin de l'impatience est toujours le mauvais chemin. Le chemin de l'impatience est toujours le mauvais chemin. Le chemin de l'impatience est toujours le mauvais chemin. À ça.
le chemin de l'impatience est toujours le mauvais chemin. Voilà. Et ma question, c'est, est-ce que l'impatience est toujours mauvais? Tout le temps, on dit la patience est un chemin d'or, il faut pas être impatient et tout. Mais moi, ma question que j'aimerais vraiment vous poser aujourd'hui, c'est, oui, le chemin de l'impatience est toujours le mauvais chemin. Est-ce que c'est dans tous les cas? Est-ce qu'il faut être toujours patient? Ou est-ce qu'il faut aussi faire preuve d'impatience? On va commencer par Boubi. Qui est Boubi, là? C'est toi, Boubi. Tu es Boubi, tu es Galus Galus. C'est pas un chien, ça? C'est quoi? Galus Galus, c'est le nom scientifique du poulet. Du poulet. Mm. Et là, j'ai une tête de poulet, hein, c'est ça. Donc, depuis hier, on disait que tu étais content. Non, mais attends, je n'étais pas content. Hier, j'encaissais pour bien rebondir après. Galus Galus. Ah oui, compte tenu des révélations d'hier, tu n'avais pas la France. C'est dire que, au fait, je crois... J'étais en train de penser, au fait, à un autre mot ou à un autre synonyme qui pourrait expliquer l'impatience, parce que je me dis, dans cette situation, dans cette condition, il faut aussi un peu d'impatience aussi pour faire bouger certaines choses, certaines personnes, et etc. Moi, je me dis, donc, est-ce totalement une mauvaise chose? Tu ne crois pas. Je mets des bémols, ouais, pour le moment. Sandy? Voilà. Je dirais qu'il faut l'impatience des fois, parce que dans la vie, des fois, il ne faudrait pas tout le temps garder patience devant certaines situations. Soit dit en passant, bon, je vous livre un petit secret, c'est une personne, Sandra est très, très, très impatiente. Très. Il faut gérer ça. C'est partiel. Non, tu es très impatiente. Oui, c'est partiel. C'est pas partiel. Oui. Tu es trop impatiente. Des fois, je suis très impatiente. C'est ce qui fait que tu exploses. Pourquoi on va gérer? Donc, si on a un psychologue qui nous suit. Un boulot. Non, mais au fait, je suis impatiente sur... certaines choses. Oui, sur certaines choses et surtout sur le plan positif. Oui. Professionnel et tout. Oui. L'impatience, des fois, ça compte beaucoup pour aller, pour se booster ou bien pour aller plus loin. Parce que des fois, face à certaines situations... Je dirais, quand on est impatient, on finit par perdre peut-être le temps ou perdre peut-être quelque chose qu'on devrait obtenir en ce moment T. C'est ce que je peux dire. Donc, moi, il faut dire que c'est un peu partiel chez moi. Il y a des moments où je suis très impatient. Ouais. Oui. Moi aussi, je pense que des fois, il faut, être impatient parce que il y a certaines situations, il faut agir. Il faut forcer le destin des fois. Donc, la patience, c'est bon, mais dans certaines situations, il faut forcer les choses. Il faut faire de son mieux pour que les choses arrivent. Oui, les choses aillent plus vite. Alors, moi, ce que je me dis, c'est que quand on est impatient, on risque de se mélanger les pédales aussi. C'est là que je me pose une question. Si Sandra, par exemple, qui est une chante de... du programme, je voulais bien programmer. Si la personne a un programme bien établi, c'est dit quand même qu'elle est amenée à respecter ce programme. Mm-hmm. Et c'est-à-dire qu'il y a de l'impatience. Si une personne aime aussi l'impatience, c'est dire que finalement un programme n'a plus sa place, n'a plus sa valeur. Parce qu'un programme, c'est en temps, en heure et tout, et on le respecte step by step. Maintenant, si vous y ajoutez de l'impatience, c'est dire finalement que ce programme, il part. Donc, je me pose donc la question de ça. C'est vrai, comme je l'ai aussi soutenu, comme quoi dans certaines situations, il faut être impatient peut-être. Maintenant, l'autre question que je me pose aussi, c'est de savoir si être impatient, c'est peut-être pas finalement ne pas respecter les programmes qu'on s'est fixé et ou de l'autre côté aussi, perdre les pédales. Parce qu'à vouloir vite aller, on risque aussi de se mélanger. Et voilà, on connaît toutes les conséquences qui vont en découdre. Donc, la question, je me la pose aussi à vous. Moi, je pense que être impatient, des fois, moi, je le pense dans ce sens où tu veux avoir quelque chose, tu dois faire quelque chose, au lieu d'attendre à ce que certaines conditions soient réunies avant de commencer, il faut se lancer en même temps. Ou soit je donne l'exemple d'une entreprise, tu as lancé un petit commerce, tu vends peut-être quelque chose, tu es impatient d'avoir des gains, des bénéfices. Et en étant impatient, peut-être ça peut te motiver à créer, à avoir des idées sur comment faire pour gagner plus de clients.
moi, pour moi, je prends l'impatience là sur le plan être très actif, vouloir que les choses aillent plus vite. Donc là, on doit changer le nom, enfin le mot. Moi, je dirais, est-ce que nous nous référons réellement à l'impatience? Oui, c'est ça le problème. Parce que là, je crois qu'on sort un peu du contexte impatience, on va vers plutôt la rage de vaincre. Anticipation. Voilà. Ce qu'est la patience, c'est deux choses assez spéciales. La patience, c'est vraiment d'attendre le temps qu'il faut pour que quelque chose arrive, si on peut le définir ainsi. Ok, c'est pas parce que je veux que mon enfant devienne vite adulte qu'en étant impatient, il va grandir plus vite. Non. Il lui faudra un tel nombre d'années pour arriver à ça. Ou je plante quelque chose, c'est pas mon impatience qui va permettre à cette plante de mûrir. Voilà. L'impatience, c'est vraiment quand on n'a pas cette patience d'attendre que les choses arrivent vraiment à terme. On veut que ça vienne plus vite. Et il est prouvé scientifiquement que l'impatience, ça donne des problèmes de tension artérielle et des problèmes cardiaques. Parce que tu es nerveux, tu veux que la chose vienne plus vite que... tu veux qu'elle ne vienne plus vite qu'elle ne devrait. Donc tu es vraiment impatient, tu veux que tout vienne rapidement, tout vienne trop vite, tout vienne plus vite. Et là, ça te rend toi-même nerveux, ça te nuit. Mais à côté aussi, l'impatience, ce n'est pas totalement une mauvaise chose. Parce qu'elle pousse, comme José l'a dit quelquefois, à l'action, à trouver un moyen d'y arriver plus vite. Mais malheureusement, il y a ce côté-là de vouloir aller trop vite. On prend un exemple, aujourd'hui, on le dit beaucoup. Les jeunes filles sont très impatientes. Elles veulent que tout vienne rapidement, alors que tout est question quand même de processus. Il faut prendre le temps de faire certaines choses. Mais on n'a plus le temps de laisser le processus évoluer. Normalement, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune et puis je disais à mon père, papa, tu sais, moi, je veux une voiture. Mon père s'est moqué de moi. Il dit, tu sais, on commence par le vélo, on va à la moto et ensuite on va à la voiture. Toi, tu veux sauter en même temps pour aller à la voiture. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. On commence aussi sur la voiture. Mais pour lui, il fallait quand même que je cultive une certaine patience et que je ne m'attende pas à ce que ça vienne grand comme ça directement. C'est pour dire que quelquefois, il y a un processus quand même qu'il faut suivre. Il y a un processus quand même qu'il faut vivre. Mais l'impatience fait qu'on veut tout tout de suite. Et moi, je dirais que même l'impatience fait quand même référence un peu à la comparaison. Je veux que ça vienne là comme l'autre. Et pourquoi moi, ça prend plus de temps à arriver et l'autre, ça vient plus vite? Mais quelquefois, on ne connaît pas le background de l'autre. Peut-être que l'autre se bat pour ça depuis bien avant même que moi, j'ai la conscience qu'il faille me battre pour ça. Et comme je veux que les choses viennent trop vite, je vais faire entrer d'autres sentiments qui sont la jalousie, vouloir nuire à l'autre, vouloir arracher ça peut-être à l'autre. Donc, la pensée dit le chemin de l'impatience est toujours le mauvais chemin. Ça veut dire que l'impatience quand même a fait ses preuves dans ce monde et a prouvé qu'elle n'apportait pas toujours les choses positives. Mais oui, d'un certain côté, assez minime quand même, l'impatience peut être bénéfique. D'un côté assez minime, et ça, je crois que même quand on voit sur Internet, certains psychologues le disent, ça permet quand même d'être un peu plus créatif. Mais pas toujours. Parce qu'après, il y a la colère qui s'ensuit. Tu regardes l'autre parce que la jalousie est née. Tu veux être là à ce moment T. Tu ne veux pas faire le travail ni le processus qu'il faut. Et là, tu t'énerves. Là, tu dis non. Pourquoi il est là? Pourquoi ceci? Pourquoi ça? Donc, c'est jamais l'un sans l'autre. Quand l'impatience s'installe, elle peut faire naître d'autres sentiments qui vont vous amener quelque part où vous n'avez jamais désiré être. Moi, c'est comme ça que je comprends cette pensée quand on dit toujours le mauvais chemin. Qui est impatient quand même fait naître des choses. Mais quand tu dis je vais être patient, ok, Navi Sandy a des cheveux qui sont longs jusqu'ici. Et moi aussi, j'aimerais que mes cheveux soient aussi longs. Et je suis impatiente, je vais peut-être sauter dans des solutions. Elle va me dire non, mais ça ne fait pas, ça ne fait pas. Mais comme je veux tellement la solution miracle, je vais sauter dans des choses qui ne vont pas m'avantager. Alors que si j'apprends comment ça se fait et que je donne le temps au temps, je donne le temps, peut-être, c'est un exemple banal, à mes cheveux de grandir, j'aurai le même résultat. Mais ça va falloir faire preuve de patience. Et quand on est patient, on apprend à développer certains quand même traits de caractère qui disent, oui, il me faut de la patience, il faut que j'aie de l'amour pour ça, il faut que ceci, il faut que cela. Alors que l'impatience est réveillée en nous, un côté que nous n'aimons pas forcément. Donc, oui, l'impatience, je dirais, est un mauvais chemin. Mais dans certains cas, ça peut être un peu bénéfique. Toujours ne pas tomber dans l'excès.
Alors, nous parlons de l'impatience et de la patience ce matin, chers amis téléspectateurs. Et vous avez envoyé déjà beaucoup de messages hein, par rapport... Bon, c'est venu pêle-mêle, donc souffrez que je les lise tout en même temps. Bonjour à tous. Bonjour. Cher monsieur Jérôme, depuis la RDC, je vous suis 5 sur 5. Vous êtes tous mignons. Merci. Merci, merci infiniment à vous. Et on a ce message qui dit... Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Je vous kiffe grave. Ma grand-mère disait une cabane où l'on rit est mieux qu'un château où l'on pleure. Mmh. Excellente journée à vous, Oli Big. Quoi? Oli Big Bello. Merci à vous. Merci. Et bonjour, je valide la pensée du jour. Car comme on dit souvent qu'on ne prend pas de décision dans la colère, il est aussi préférable de faire preuve de patience pour ne rien regretter après. De la part de M. Charles depuis Arligo. Bonjour à vous. Bonjour. Quelle beauté ce matin. Ah, dis merci, on va passer. Ah, merci beaucoup. Bonjour le plateau nectarien. Bonjour. Comment vous, êtes, vous allez? Vous allez bien. Vous êtes adorable, je vous aime beaucoup, beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Raoul. Bonjour. Bonjour. La pensée du jour n'est pas pour le 21e siècle. Le monde bouge. Si le gouvernement était patient pour la COVID, on serait où aujourd'hui? Bonjour à vous. Et on a bonjour, bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes encore choquant ce matin. Merci. Ce qui me plaît sur le plateau, les femmes ont toujours leur teint naturel. Merci pour les conseils édifiants. Monsieur Abraham depuis Barkouassi. Merci, monsieur. Merci. Alors, déjà, j'ai aimé l'entame tout à l'heure. Naïda a souligné quelque chose et je crois que c'est une erreur qu'on est en train de faire. Il y a une grosse nuance entre avoir envie de faire bouger les choses, avoir la rage de vaincre, avoir une envie de réussite et l'impatience. L'impatience est une chose qui est négative. C'est mon avis à moi. L'impatience n'a rien de positif. Parce que l'impatience, c'est justement le fait de ne pas attendre, comme l'expliquait Naïda, le processus naturel, le processus ordonné d'une chose et de vouloir extrapoler et de vouloir tout de suite être au point Z alors que il y a forcément un processus. C'est parce qu'il y a forcément un processus qu'il y a une patience en fait. Et on dit souvent même que la patience est un chemin d'or. C'est vrai que la patience est un chemin d'or parce que même dans certaines situations où normalement on voit la situation et puis on dit oh, et on jette l'eau avec le bébé avec l'eau du bain, on pourrait peut-être en gardant patience réaliser qu'au finish, ça là, ça peut changer. Parce que la patience produit l'agacement. L'agacement produit la nervosité produit la frustration. Et on finit toujours par prendre des décisions qui ne sont malheureusement pas bonnes pour nous. Maintenant, je suis dans une situation où je confonds la patience au fait de ne pas bouger. Il y a aussi ça. Je confonds la patience à la procrastination, je confonds cela au fait d'être paresseux, je confonds cela au fait de ne pas être entreprenant. Ce n'est pas du tout de la patience. La patience, c'est faire les choses, mais les faire dans les normes. Alors que l'impatience, c'est voir qu'il faut avoir ces normes-là, mais ne pas vouloir suivre le cours normal. Moi, je dirais même par rapport à mon impatience, par exemple, des fois, c'est au fait... Je suis plus smart. Bon, c'est sinon, pas que je suis. Non, même. Je sais, mais c'est pas que je suis impatiente au fait. Mais il y a ce côté smart que l'on dégage individuellement. Tu as fait problème. Non. Il y a ce côté. Ton côté, on va plutôt dire rapidité. Oui. C'est-à-dire que tu veux que cette chose-là, je l'ai engrangée, comme elle disait, j'ai planté cela et j'attends que ça puisse arriver. Toi, on a eu une petite conversation hier où tu me disais, je me dis, mais j'ai ce, voilà, mais bon, voilà. Patience. Il y a un temps pour toute chose. Ça va arriver. Et ce temps est en train d'arriver justement parce que l'impatience, quand on le voit, on voit... cherche un raccourci, c'est le mot que je cherchais. Dans l'histoire de l'humanité, tous ceux qui ont pris le chemin de l'impatience ont toujours commis des erreurs. Alors, la patience, quand on le dit, ce n'est pas le fait de rester à ne rien faire. La patience, c'est savoir que je dois avoir le CEPD avant d'avoir le BEPC. Bon, même si on peut parfois, hein, ma fille, je fais une petite histoire, ma fille très intelligente, je lui ai fait sauter des classes. Alors que mon fils, il vaut mieux que je n'aille pas de côté. J'ai respecté les classes, patiemment.
Non, je le dis parce que il me souvient qu'arrivé à un moment donné, je connais quelqu'un. Quand on a voulu lui faire sauter des classes, son père, qui était donc dans l'enseignement, a dit, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais l'enfant finit par avoir des problèmes après. Donc, laissons-la comme ça, elle n'a qu'à suivre le processus normal. Déjà, elle est très jeune pour la classe qu'elle fait, mais laissons-la, quoi, parce que voilà. Et c'est vrai que même en étant, cette personne en étant très jeune, est arrivée dans un monde où la plupart des autres élèves étaient plus âgés qu'elle, ça a été très difficile. On lui a pas fait sauter de classe, mais l'intégration a été très difficile. Alors, j'imagine si on lui avait fait sauter des classes et qu'elle était arrivée encore plus tôt, ce que cela aurait été. Donc, il faut pas confondre le fait d'être quelqu'un d'actif au fait d'être quelqu'un d'impatient. Mmh. On peut être actif et être impatient. Je veux ouvrir ceci. Au lieu de dire, bon, maman, peut-être il est huileuse, je vais bien la nettoyer et tout ça. On cherche un couteau et puis paf. Et là, paf, ça explose, ça salit tout le monde. C'est ça l'impatience. Ce n'est pas le fait de ne pas être actif. La patience, on est actif, mais on a un procédé qu'on suit en fait. Mmh. Du coup, moi je me dis que la pensée, elle est totalement... Elle est totalement vraie, quoi. L'impatience est une chose qui est négative à 100%. C'est mon avis. Je pense que je vais partager ta avis. Parce que c'est comme les chadrons, je ne donnais pas pour programme qu'une personne s'établit. Donc, si on doit suivre ce programme, c'est forcément dit qu'on est d'abord discipliné. Et qui parle de discipline parle aussi de la patience. Voilà. Quand on parle d'impatience, c'est finalement qu'on respecte plus ce qu'on sait infliger. L'impatience, quand même, gâte beaucoup de choses dans la vie des gens. Parce que je ne veux pas suivre le processus, je ne veux pas passer par la voie normale, je prends des raccourcis. Ouais. Le raccourci n'est jamais une bonne idée. Exact. Ça t'amène à faire des choses que tu ne veux pas. Et comme dit scientifiquement, après tu as une tension artérielle qui n'est plus normale, tu t'énerves. Voilà, et ça ramène aussi d'autres mauvais sentiments, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que je veux tellement ça que je commence à être jaloux, je commence à faire des coups bas aux gens. Alors qu'à la base, ce n'est même plus l'objectif que je voulais que je poursuive. Donc l'impatience quand même, c'est quelque chose de négatif, comme l'a dit Maman Aïcha. Après, c'est vrai, comme je l'ai dit, que certains, quand tu regardes sur le net, pensent que l'impatience permet d'être plus créatif pour aller plus vite. Ouais. Ça, c'est aussi, leur courant de pensée. Ouais. Mais l'impatience, je rejoins quand même la pensée, ça n'apporte pas vraiment du positif. Mais la patience, comme on le dit, c'est un chemin d'or. Il faut quand même être assez... pour être patient, c'est pas facile. Ce n'est pas, pas facile d'être patient. Bon, il y a des personnes qui sont naturellement, je trouve, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des personnes qui ont quand même des prédispositions. Ce sont des personnes qui sont, bon, on rejoint un peu les phlegmatiques là, où là vraiment, la douze ou non, ou un sous-bosse, c'est vous qui est bien, sauf comme ils sont alignés. Tu vas beaucoup appuyer sur l'accélérateur avant que ça ne parte. Mais quand ça prend, ça a pris. On le dit, tout vient à point, qui sait attendre. Exact. Ah, voilà. Donc, si tu sais être patient, tout viendra. Tout viendra. Mais ce n'est pas facile, disons la vérité. Bon, et on le dit, la patience, ce n'est pas rester inactif. Exactement. Ça, ce n'est plus de la patience. C'est autre chose. La paresse. La négligence, de la paresse, et de la procrastination. La patience, c'est être actif et voir les fruits que ce que vous avez semé ou vous êtes en train de nourrir va porter. Mais juste dire, bon, moi je suis là de toute façon, je veux une omelette et ça va tomber du ciel. Non, c'est faux. Il faut... Non, mais Dieu a tellement créé la nature, même la vie en général, que tout est une question de patience. Tu sais, c'est comme quand tu veux réchauffer de la nourriture, tu as faim. Quelquefois, c'est même pas chaud. Hein. Quelquefois, quand tu perds patience, ce n'est pas chaud, tu prends et puis... Voilà tu... où ça en fait, comme ça, perd la balle. Il y a besoin de patience. Là où ça quelquefois, ce n'est pas chaud, tu commences à manger, tu dis, oh, finalement, j'aurais dû attendre que ce soit chaud. Parce et puis, ça, des fois, tu remets. Oui, tu remets parce que tu te dis, processus t'aurais naturel, dû attendre. Par exemple, voilà, quand Maïda parlait du fait de planter un arbre, encore vous voulez ou pas, là, va suivre son processus. C'est normal, c'est comme un bébé, il doit suivre son processus. Un instrument à apprendre, un processus, vous ne pouvez pas... Nous parlions justement des poulets locaux et des poulets importés. Et ces poulets-là, pour que ça grandisse vite et que ça puisse rapidement combler les besoins et être vendus et tout, on leur injecte tout ce qui n'est pas bien. Ouais. Et nous, on consomme, mais après, ça nous nuit. Ça le poulet local, là... Ah, côte. Elias, attendez. Je l'ai pas vu venir. Alors là, je l'ai pas
Elias, moi du tout. Il prend tout le temps qu'il veut. Et puis certains disent que le meilleur poulet, c'est celui qui se balade en ville. Ah ouais, super. Non, certains disent qui bouffe tout, là. Voilà, il prend le temps de grandir, de bouffer tout ce qu'il veut. De prendre de l'air. Voilà, et après, tu le mets là. De connaître les éléments. Ça, c'est la patience même, ça. Le laisser vivre sa vie. J'ai un à la maison, je l'ai. Et après, tu dis, reviens, mon petit. Il est temps de rentrer, mamie. C'est beaucoup de patience quand même. Hein. Alors, on a bonjour Nectar, excellente journée à vous tous, surtout à ma sœur Naïda. Merci. J'aimerais merci l'entendre parler. Ah, ça, vous allez devoir être patient. L'entendre parler dans sa langue. Dieu. Benjamin depuis tes médias. Là, il faut vraiment le chemin de l'impatience, ça, c'est pas bon. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. J'ai beaucoup aimé la pensée car j'ai toujours exhorté la fidélité à sa partenaire, à mes amis. Mais suite à une réticence de ma fiancée pendant 7 mois, elle m'a poussée à coucher avec une fille et le lendemain, ma vraie fiancée m'appelle pour s'excuser et me demande de débuter le processus de mariage. La patience est un chemin d'or de la part de M. Gilbert. Ah ça, j'espère que vous avez avoué ce que vous avez fait quand même. C'est Gilbert, merci pour le témoignage. C'est important. Ouais, je crois qu'il a avoué parce que... Alors, bonjour Nectar, parlons de la patience. Oh, oui. Est-il permis à une mère même de venir faire... Non, ça... On va revenir dessus, s'il vous plaît. Bonjour le plateau. Bonjour. Pour moi, l'impatience nous conduit à la perte et au mauvais choix. De la part de Monsieur Joseph depuis Badou. Merci infiniment. Merci, alors, coucou à vous, c'est Ben depuis Diablé. Je vous suis de, à 100% d'accord. Et les turqueuses, elles sont réveillées. Ils ont un groupe. Les turqueuses. Alors, bonjour Nectar, comment vous allez? Nous allons bien. Vous êtes belle, Oliver Stona depuis Ouagadougou. Merci, merci beaucoup. J'ai mon bébé qui est dans votre pays là-bas. Il est arrivé hier exactement à entre 13h et 14h. Bah. Voilà. Donc, prenez bien soin de lui. Pour moi, il s'appelle Félix Nectar. Voilà. Quoi? Non mais. Regardez les Félix Nectar. Félix Nectar. Je les ai perdus. Non mais, c'est genre. Il est à Bobo. Il va à Bobo aujourd'hui. Hier, il était à Ouagadougou. Aujourd'hui, il va à Bobo. C'est genre Nectar la... sans bon Nectar quand ouais, même. C'est genre la personne va et dit Félix Nectar. Et c'est au truc pas. Oui, vous allez à la, sur la, la chaîne nationale, vous dites Monsieur Félix Nectar. On va vous le montrer, il n'y a pas de souci. Ah, voilà, c'est le plus beau de toute façon. Mmh. Vous allez le reconnaître. Ouais, c'est vrai. Il est le plus beau de. Toute la ville de... Non, le plus beau, pardon, non, le plus beau de mes garçons. Bonjour. Voilà, voilà. Sois patient, tu vas finir par devenir beau. Tu vas trouver la beauté. Ça va venir. Merci. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes toujours jolie, je vous kiffe tous. Merci beaucoup. Bonjour, maman, je suis d'avis avec toi pour la pensée du jour depuis le Gabon. Merci infiniment. Merci. Et coucou à vous, Nectar. La vie est beau, super beau et c'est Picasso. Voilà. Bonjour à toute l'équipe. J'attends le mot en fond de José. Hugues depuis Niamey. Vas-y. J'ai oublié. La patience est un chemin d'or. Oui, patienter. Voilà. Bonjour Nectar. Bonjour. Pour surmonter le thème. Fin de la semaine. Pour surmonter le thème impatience, c'est d'éviter le vice et de ne pas être impulsif. Autrement dit, la nature présente une même atmosphère, mais les noms des jours diffèrent. De la part de Hassan depuis Trésor. Merci, merci beaucoup Hassan. À vous. Salut Nectar, l'impatience est toujours une mauvaise chose. L'impatience de façon négative équivaut à la patience. À ça, c'est vraiment une dissertation. La patience va nous permettre de pouvoir débattre ça et on reviendra là-dessus. Merci beaucoup pour la pensée de ce matin, ma chère Naïda. Et on espère en tout cas que la patience, on va apprendre à cultiver cela. L'expérience a montré que c'est une vertu. Et il vaudrait mieux qu'on ait des vertus plutôt que d'avoir des vices. Merci beaucoup. Comme on vous l'a promis, nous avons reçu un témoignage hier, juste après le jingle. Nous allons revenir sur le plateau pour pouvoir en débattre. Nous avons donc reçu hier un
un témoignage de la part d'une jeune femme. Et, bon, elle avait fait un vocal, c'était difficile de transcrire, mais chacun l'a eu. Donc, on va laisser Naïda venir. Je vais commencer et vous allez m'aider. D'accord. Donc, ce que j'ai retenu, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit dans la maison de son père, si je ne me trompe. La maman n'est pas au pays, le papa, il est corps habillé. Il n'est pas tout le temps là. Et il y a des pièces en location dans la maison. Du coup, un jeune homme est venu et il a loué une pièce dans la maison. Et de fil en aiguille, ils ont commencé à parler, à papoter. Et il y a eu alchimie entre eux. Du coup, ils se sont mis en couple. Maintenant, la relation a commencé. Et ce que la fille expliquait, c'est que c'est quand même un chômeur. Ce qu'il fait, c'est d'aller faire des répétitions à des enfants à la maison. À part ça, il n'a pas vraiment de boulot. Du coup, bon, étant en couple avec lui, elle s'est mise à l'aider financièrement. Et à un moment de la relation, elle lui a dit, tu sais, s'il faut que tu viennes voir mes parents, et pour ça, tu ne peux pas habiter avec moi dans la même maison et venir voir mon père après pour lui dire que tu veux aller plus loin avec moi. Au même moment, elle nous a expliqué qu'elle connaît la famille du monsieur, qu'elle est allée même au village de la maman, si je ne me trompe, qu'elle connaît la maman, qu'elle connaît tous ses frères. Ouais. Donc, c'est ce qui a été expliqué. Et puis, il a dit à la fille, voilà, si je vais quitter la maison, j'ai besoin d'aide pour me reloger. Elle expliquait qu'elle a quand même un peu de moyens, du coup, elle lui donne de l'argent tout le temps, 5 000 par ici, 2 000 par là, 10 000 par là, et qui lui a dit qu'il fallait verser 100 000 francs, je crois, si je ne me trompe, pour pouvoir se reloger. Ouais. Et il y a une dame aussi dans l'histoire qui sont allées voir, je ne sais pas si c'est une grande sœur à eux. C'est une dame du quartier. Une dame du quartier qui, elle est... Qui est proche de l'homme, enfin de monsieur. Qui est proche du monsieur, et qu'elle lui a dit, bon, on va se voir chez la dame et je vais te remettre les sous chez la dame. Elle va être témoin, en fait, de tout ça. Donc, elle remet les sous. Après, je ne sais pas si c'est relogé ou s'il est resté. Non, il est resté. Il est resté, Et un jour comme ça, une jeune femme apparaît dans la maison. Elias. Et voilà, elle s'approche et demande, mais c'est qui cette jeune femme? Et il n'a pas voulu lui répondre. Elle lui a dit qu'elle allait rentrer dans la chambre, que quelqu'un ne peut pas rentrer dans sa maison, elle ne sait pas de qui il s'agit. S'il est arrivé quelque chose à cette jeune femme, qu'est-ce qu'on va dire? Qui est-elle? Monsieur ne veut pas répondre. Qui est-elle? Monsieur ne veut pas répondre. Elle force et elle rentre. Il y a eu tout plein d'histoires, vraiment, c'était très long. Mais ce que je retiens, c'est qu'elle lui a demandé, mais qui est cette jeune femme? Et finalement, il dit, c'est sa petite amie. Et elle lui dit, mais... Que lui veut épouser deux femmes. Finalement, je suis qui? Il dit, moi, je veux épouser deux femmes. Ouais. Et elle dit, je ne serai ni la première, ni la deuxième. Je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Ils vont revoir la dame. Et là, il dit, il sort une histoire comme quoi c'est la petite sœur de la petite amie d'un de ses. Bon, c'est devenu autre chose. Ouais. Maintenant, si j'ai bien compris, dans les 100 000, il a déjà pris 50 000 francs. Ouais. Et il restait 50 000 francs chez la dame. Donc... dans la dispute, elle a dit finalement, je récupère mon argent, tu sors et tout et tout. Et quand ils sont allés chez la dame, ce qu'elle a expliqué qu'il a fait vraiment mal, c'est qu'elle lui a tendu l'argent avec respect quand ils étaient allés, mais il a pris les 50 000 et lui a lancé par terre. Voilà, ramasse, reprends ton argent. Donc du coup, elle est un peu désorientée parce que, à ce que j'ai compris, elle aime vraiment ce monsieur. Mais à côté, il a une petite amie, alors qu'elle connaît la famille, elle dit qu'elle n'a rien dit à la famille de ce qui s'est passé. Et elle est un peu désorientée. Est-ce que c'est elle qui est parano? C'est elle qui ne voit pas bien les choses? Ou c'est le monsieur qui exagère dans sa façon de faire? Avec cette histoire de « j'ai une autre petite amie, je vais épouser deux femmes », alors que c'est moi qui t'entretiens finalement, tu ne me donnes rien, qui ne lui a jamais rien acheté, jamais rien fait, qu'elle ne peut même pas montrer quelque chose qui lui a dit, voilà, cadeau, rien. C'est elle qui a toujours tout fait. Voilà, en résumé, c'est ça. Voilà, donc en résumé, Naïda a vraiment pratiquement tout dit. Hein. Je sais qu'elle est devant son poste téléviseur, elle nous suit, vous pouvez poser des questions. Alors, elle dit, tu fais bien de le souligner, si elle envoie le message, c'est parce qu'elle a été désorientée par surtout deux choses. Quand ils sont allés récupérer l'argent, le fait que le monsieur lui ait balancé l'argent de façon aussi méprisante. Et puis aussi, le monsieur devant la dame dit maintenant que cette jeune femme n'est pas en fait
sa petite amie, mais que c'est l'ami, puisque la fille est, il est venu avec la fille une première fois. Il y a eu donc elle a vu, elle a demandé c'est qui, le monsieur n'a rien dit. Et la deuxième, le lendemain, le monsieur est revenu avec son ami et la fille encore. C'est là où elle dit, et le monsieur dit que, non, elle dit que le monsieur pensait qu'elle n'était pas là. C'est ce qu'elle dit après, que le monsieur pensait qu'elle n'était pas là parce qu'elle les a croisés en cours de route. Eux, ils venaient, elle partait quand elle les a croisés, donc elle a rebroussé chemin, elle est venue. Donc, elle a voulu entrer dans la chambre du monsieur. Le monsieur dit, tu ne rentres pas. Et ça en est suivi tout ce qu'il faut. Et puis, elle est rentrée finalement, elle s'est assise. Et elle dit, c'est qui? Alors, elle dit que l'ami de son fiancé, là, lui dit, mais tu n'as pas dit à ta fiancée, c'est qui la fille? Et le fiancé de répondre à la fille, c'est ma petite amie. Moi, c'est toujours deux femmes que j'ai voulu épouser. Donc, ça sera deux femmes. Donc, voilà, c'est la seconde qui est là. Et elle a dit non, 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 ça ne peut pas se passer ainsi. Et puis elle est partie. Donc elle a mis quelques jours d'écart. Le monsieur aussi n'a pas réagi, il n'a pas cherché à la voir ni rien. Et puis ensuite, après, bon, s'en est suivi l'histoire de l'argent. Et le jour où elle récupérait maintenant son argent, c'est là où le monsieur de dire non, c'était pas ma petite amie. Il a changé de version. Il a revu sa version. Il a revu sa version. Révisé. C'était pas ma. Il a révisé sa version. C'est la moto de. Ah, là, voilà. Donc le monsieur lui dit non, ce n'était pas ma petite amie en fait, que c'était la petite amie de l'autre gars qui était avec moi le deuxième jour. Donc aujourd'hui elle dit qu'elle ne sait pas. Est-ce que c'est un peu trop précipité? Est-ce qu'elle a mal agi? Est-ce que doit-elle faire? Bon, elle est désemparée, on ne peut pas ne pas présenter son témoignage à vous qui nous suivez, également au panel sur le plateau. Elle nous a respectés, elle a envoyé son témoignage, donc chacun va donner son apport en espérant que cela pourra l'aider. Et yes. Pourquoi vous commencez par moi? Commencez par José. Commencez bon, par Elias, vas-y. Alors, on a ce message voilà, pour commencer qui dit « Bonjour, ce n'est pas toute femme qui peut gérer le pouvoir. » Au début, elle aurait pu avoir raison, mais non, le monsieur a eu le temps pour mentir. D'accord, merci à vous. Alors, bon, ben, elle écrit, elle dit on devait cotiser 100 000, et moi je lui ai remis 50 000. Oui, et c'est lui qui devait compléter pour que cela fasse les 100 000, en fait. D'accord, continuez pas à envoyer. Donc, et bon, elle dit il était venu seul avec la fille, il était venu seul avec la fille la nuit, la première fois. Ouais, la première fois. C'est ça. Hein. Ouais. D'accord, continuez d'écrire, on vous pose des questions, vous pourrez répondre. Et donc voilà le témoignage de notre sœur. On va commencer par ma chère Sandy, qui va parler sans patience. La vie. La vie, Sandy. Ok, déjà, j'aimerais savoir, le monsieur... La vie. Non, en fait, je suis un peu énervée. Franchement. Il faut prendre un peu d'eau, s'il te plaît. Non, je ne sais même pas quoi dire tout de suite. Quoi. Mm-hmm. Si je dois parler, je risque d'insulter et ce n'est pas bien. Mm-hmm. Déjà, par rapport à la dame, moi, je dirais, elle n'a quand même arrêté ça en même temps. Mm-hmm. Zeleka, quoi. Franchement, elle n'a qu'à arrêter. Sinon, ce qu'elle aura devant sera pire que ce qu'elle est en train de vivre, tout simplement. Ouais. C'est pas la peine. Alors, nous avons ce message qui dit « Bonjour, je conseille à cette femme de cesser de fréquenter cet homme car ce dernier la trompe. » Signé Adolphe. Merci, monsieur Adolphe. Et on a cet autre message depuis le Niger qui dit « Elle a abusé du pouvoir d'être propriétaire de la maison qu'il loue. » J'aime pas. Bon, d'accord. Merci à vous. Bonjour, Neta. Pour moi, la fille perd son temps. C'est un autre message. Pour moi, la fille perd son temps avec ce garçon parce que le monsieur ne l'aime que pour son argent. Mm-hmm. En plus, le gars est malhonnête. D'accord? Merci à vous. Et bonjour à tous sur le plateau. Bonjour. Vous savez, l'amour ne résout pas tout dans la vie. Pour dire que l'amour ne suffit pas, il faut le respect mutuel. De nos jours, même les hommes que nous sommes, certains sont matérialistes. D'abord, pourquoi il n'a pas quitté la maison? Ma chérie, il y a côté de l'amour, il y a ta dignité qui est en jeu. Il y a 1000 hommes capables de te donner cet amour dont tu as besoin.
Tu as du respect pour toi, alors laisse qu'on te respecte, de la part de Monsieur Mokhtar. Merci, mmh. Monsieur Mokhtar. Bonjour la famille nectarienne. Bonjour. Elias Courage Lo. Ah ah. C'est pas lui. Hein. Dans tout là, c'est Elias. Non, c'est ah, et on zizier. C'est pas moi. Non, même pas. C'est pas moi. Alors, on a ce message qui vient depuis le Gabon. Bonjour, bonjour Nectar. Bonjour. Il faut qu'elle enlève son corps tout de suite et vite. Enlève son corps. Si, c'est quel et quel dégât. Voilà, José. Voilà. C'est vraiment triste cette histoire. Moi, je dirais simplement à notre soeur, de, comme l'a dit les téléspectateurs, il faut qu'elle arrête cette relation. L'homme est matérialiste et puis il est malhonnête. Sa dignité est en jeu. Hier, on a appris ici dans la pensée qu'il ne faut pas donner, apprendre à la personne à pêcher au lieu de lui donner le poisson. Je pense qu'à la base, elle a déjà fait une erreur en voulant trop, en voulant aider le monsieur. C'est bien, ses intentions étaient bonnes, mais moi, je pense que c'est la base, c'est là où qu'elle a faussé. Oui, qu'elle a faussé, donc... c'est mieux d'arrêter quoi et de faire en sorte que le monsieur quitte la maison et d'oublier ce monsieur là parce que c'est pas une bonne relation. Elle risque de souffrir et elle a posé une question, si elle est pas, c'est elle qui voit mal les choses. Elle voit clair, quoi. C'est ça. La première version du monsieur, je pense que c'est ça qui est la bonne. La deuxième, il... Peut-être qu'il s'est énervé à la première fois. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vu que... En tout cas, le monsieur n'est pas honnête. Et le monsieur n'est pas honnête. Et moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas une bonne chose de vouloir... de donner tout à un homme. Ce n'est pas une bonne chose, quoi. Donc... c'est... il y a de ces hommes-là qui aiment ça, qui aiment la facilité, tout. Lui, il est jeune, il n'a pas d'emploi et il veut épouser deux femmes. C'est qu'il n'a pas d'ambition, un. Il n'a pas d'ambition. Il est diplômé, et elle n'a pas besoin d'un homme comme ça. Il a été beaucoup à l'école. Il faut que l'homme déjà... En fait, il faut aider quelqu'un qui... Qui sait ce qu'il a besoin, qui se cherche, qui veut réussir. Quelqu'un qui veut réussir ne va pas avoir deux copines, sachant qu'il a du mal à trouver de quoi manger. Tout. Donc, le gars même n'est pas sérieux avec lui-même. Donc, c'est mieux d'ignorer ce gars-là et de continuer sa voie. Tu en payes avant, s'il te plaît, si tu permets, on a... Bon, d'accord, donc c'est pas... Bon. Bonjour les nectariens. Bonjour. Je vous suis chaque matin. J'aime l'ambiance sur le plateau. À cause de l'émission Nectar, mon mari ne part pas vite au boulot. Ce matin, je suis obligée de le chasser de la maison. Maman Isha, donne-nous le secret de tes filles, Lou. On est là depuis Ségbézanvi. C'est la première fois que j'entends Ségbézanvi. Ah, moi, je connais. Oui, Ségbé, bon, on connaît tous Ségbé. Ségbé-Zanvi, c'est... Yeah, oui, c'est les quartiers. Ouais, c'est les quartiers, là. Les nouveaux? Les nouveaux quartiers de Ségbé, là. D'accord. Très joli. Quand j'ai écouté le message, ce que j'ai senti, c'est qu'elle m'aimait, c'est déjà ce qui est bon. C'est qu'elle a dit... C'est clair. Mais le fait que l'amour, les sentiments soient en jeu, elle émet toujours un doute. Malheureusement, souvent, c'est déjà ce qui est bon pour nous. Mais parce qu'on aime cette personne, on essaie de se convaincre que... ça peut changer, savait pas ce qu'il faisait et tout. Non, elle sait pertinemment ce qui est bon. Moi, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de problèmes. Déjà, le premier problème, c'est le fait que ce soit elle qui fasse toujours le pas et lui, il ne fait rien. C'est vrai, c'est elle qui donne l'argent, mais jamais un cadeau, jamais rien, il n'a fait pour cette femme-là. Le deuxième problème, c'est que tu es sous le toit de la femme à cause de la relation que vous avez. Si tu étais locataire, tu n'avais pas les moyens qu'elle t'aidait parce que... ah, ce locataire a des difficultés, bon, ok, tu peux ramener des filles. Mais tu n'as même pas les moyens, je pense même le loyer, ça doit être compliqué. Et parce que les sentiments sont en jeu, elle t'aide, tu amènes une autre femme. Et ça, tu ne peux même pas faire ça dehors, tu amènes ça dans la maison, sachant qu'elle peut voir. Deuxième problème, ce qui m'a le plus choqué, c'est l'argent qu'il lui a lancé en plein visage.
Mais c'est méchant. C'est méchant de lancer, c'est-à-dire, en fait, ton argent, je m'en fous. Alors que tu ne vis que par l'argent qu'elle te donne majoritairement. Oui, il fait des répétitions. Pour moi, sincèrement, ce tome, il n'en vaut pas la peine. Parce que tu prends l'argent chez quelqu'un pour aller entretenir quelqu'un et tu viens, quand on te demande, tu dis, moi, c'est parce que je vais épouser deux femmes. On épouse deux femmes comme ça. C'est comme ça qu'on épouse deux femmes. En tout cas, moi, j'ai été choquée quand j'ai écouté le message. J'ai dit, mais elle-même l'a dit dans le message, et c'est ce qui est bien. Je ne pense pas qu'elle ait exagéré. Il y a eu des erreurs. Au départ, les bases ont été faussées, comme l'a dit José. Mais après, ça ne justifie pas ce comportement de la part du monsieur. Si ce monsieur avait de bons sentiments, il va dire, ah, cette femme qui m'a aidée, on se construit ensemble. Elle m'a aidée dans une période où je n'avais rien. Maintenant, moi aussi, je me dois de réussir pour quand même apporter quelque chose à notre couple. Alors, mais... le téléspectateur qui a envoyé tout à l'heure pour dire que notre témoin n'avait pas le droit d'aller comme ça demander, c'est pas parce que le monsieur loue chez elle qu'elle va entrer manu militari, dire c'est qui cette fille et tout ça. Est-ce qu'il a raison ou pas? Il n'a pas raison. Je trouve qu'il n'a pas raison à cause de la relation qu'il y a entre eux. S'il n'y avait rien, oui, bien sûr, elle n'a aucun droit. Mais c'est son petit ami, quoi. C'est son petit ami, c'est normal. Si c'est son petit ami, donc il ne doit pas recevoir une fille... Mais c'est parce que ça s'est passé peut-être une deuxième fois. Je pense que c'est la deuxième fois. Elle a le droit de réagir. La première fois, elle n'a pas réagi. Bon, vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît, parce qu'elle vient d'envoyer le message pour dire la première fois, c'était la nuit. Donc, je crois que c'est peut-être parce que c'était la nuit. La nuit, encore, c'est pire. Comment tu l'as fait? Vous avez fait répétition la nuit. C'est quoi, ils appellent la nuit? Si vraiment le monsieur me respectait, qu'il n'y avait rien, nous, entre elle et la fille, entre lui et la fille, la moindre des choses, c'est d'informer sa petite amie. Oui, voilà, amie. C'est ma soeur, tel jour. Et puis, là, je ne pense pas que... Une relation, c'est des compromis aussi. Il faut prendre en compte les sentiments de l'autre. Mm-hmm. Donc, sincèrement... Et la fille, elle n'est pas partie poser la question, c'est qui, avec agressivité ou... Quoi, je ne pense pas. Peut-être qu'elle a demandé calmement c'est qui. Elle est pleinement dans son droit. Elle a le droit de demander. Oui, elle a le droit. À cause de la relation. Elias? Bon, moi, depuis hier, j'ai commencé par penser à voir l'histoire dans tous les sens, puisque c'est très important. Et je me pose des questions. Premièrement, la fille dit qu'elle n'a jamais parlé de la relation à ses parents. Mm-hmm. Et si elle était vraiment sincère dans cette relation, je pense quand même qu'elle pourrait balancer un mot à ses parents pour que ses parents soient au courant. Ça, c'est la première version. Maintenant, de l'autre côté aussi, si le garçon en question n'était pas sincère, il n'irait pas jusqu'à présenter la fille à ses parents au village. On est tous d'accord, puisqu'elle a dit comme quoi elle connaît ses parents, elle connaît ses frères et sœurs et tout. Bon, désolé, les hommes d'aujourd'hui, là, qui viennent chez toi, qui connaissent tes parents, mais ils font encore. Les hommes d'aujourd'hui, là, les parents ne leur font rien. La fille en confiance, c'est sa stratégie. C'est ça, c'est stratégique. Ça, je ne suis pas d'accord. Voilà, donc je crois que le jeune homme en question était un peu sincère, sinon il n'irait pas. Permettez que je finisse, s'il vous plaît. Il n'irait pas présenter la sœur en question à ses parents au village. Donc déjà, je trouve que c'est déjà un grand pas. Maintenant, parce que là, vous êtes en train de banaliser le fait qu'il ait présenté notre témoin à sa famille. Non, je ne comme quoi, ce serait une stratégie. Non, quelquefois, la personne... C'est la totale. Oh là là. De venir avec... Viens, quand tu viens parler. Si je reviens au volet où une fille est venue chez le monsieur à la maison, vous savez, je me mets dans la peau d'un monsieur chasseur. Vous êtes dans une maison qui ne vous appartient pas. Une maison dans laquelle, en fait, pour laquelle vous payez presque pas. Vous ne pouvez pas amener une fille normalement. On est d'accord. C'est dire que un bon chasseur qui sait chasser ne peut pas mener une proie ou sa proie. Dans une maison qui ne lui appartient pas. Donc c'est dit quelque part, je me pose une question. Est-ce que cette fille était vraiment une proie? Ou alors juste une amie? Voilà. La nuit, là. Oui, c'est parce qu'il a dit en fait que c'est la petite amie.
du meunier, enfin de son ami. Mais après, de son, de, si c'est son pourquoi, ami, il pourquoi dit qu'il veut prendre deux femmes? Voilà, certainement parce qu'il... Voilà. Non. Ça, on se connaît, les sœurs, on se connaît. Des fois, il y a des sœurs qui vous mettent tellement de pression qu'il y a des phrases qui sortent en vrac. Et finalement, ce sont des phrases que vous ne ressentez pas réellement. Mais non, pourquoi jeter l'argent sur la fille? Alors, je reviens à cette étape. Vous savez, cette étape, franchement, je suis très, très, très énervé contre vous, monsieur, parce que ce n'est pas une bonne chose. On ne jette pas l'argent. Quelle que soit la situation, la raison, on ne jette pas l'argent. Maintenant, je dis, peut-être qu'il a fait sur l'effet de la colère, très, très énervé et tout remonté, mais on ne jette pas l'argent, monsieur. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Moi, ce que vous devez aussi dire, c'est que la sœur en question a écrit une lettre au monsieur. Et dans la lettre, elle a dit que néné, etc. N'est pas. Voilà. Oui, en fait. D'envoyer l'argent. Voilà. Donc, les premières offensives. Elle voulait récupérer l'argent puisque le monsieur ne lui faisait plus signe, n'était plus, comment on dit, dans la présentielle. Ouais. Donc, elle lui a écrit parce qu'elle voulait lui parler. Le monsieur dit, je veux rien savoir, tu sors. Ouais. Elle est venue voir le monsieur. Et donc, elle a été obligée de lui écrire une lettre. Elle lui dit, en fait, moi, j'étais venue juste parce que, puisque tu dis que tu... Voilà la situation. Moi, je voudrais juste récupérer l'argent que j'ai déposé pour te louer. Les premières offensives, donc, viennent-elles? Mais non, Elias, je ne suis pas d'accord. Elias, sérieux, je suis pas d'accord. La première personne qui a sorti la phrase de... Non, non, non. Si c'était ta sœur. Oh non, Elias, Elias, la première fois que le malentendu a eu lieu entre eux deux, est-ce que le monsieur, certes, il s'est énervé, après, est-ce qu'il a fait un pas? Non. Voilà. Oui, c'est quoi la ça question? Prouve, oui, ça prouve, oui, ça prouve. Un monsieur qui n'a pas fait un pas, ouais. Et après... Et il vient raconter quoi, comme quoi, c'est pas sa petite amie et tout et tout. Et il jette l'argent sur la fille. Et tu penses que ce monsieur-là est sérieux? Il y a des amours, de vrais gens qui aiment, qui connaissent l'amour, qui nous suivent. Et ils savent quand même qu'il y a ces problèmes qui arrivent dans les couples. Bon, finalement, quelqu'un s'est arrivé. Mais finalement, alors, on va lire quelques messages. Et laisse un conseil, s'il vous plaît. Le conseil que donne à la dame, c'est dire, madame, je crois... en la force du compromis, du pardon. Non, discutez. Essayez de discuter, puisque jusque-là, il n'y a jamais eu de discussion. Il ne veut pas. Il y a eu des lettres envoyées au monsieur. Il pouvait être le nom. Il y a eu des menaces. Il y a eu des menaces de vouloir rentrer dans une chambre. Voilà. Donc, ce que je conseille à la sœur en question, parce que je l'aime et je sais ce qu'on appelle l'amour, madame, essayez de discuter avec ce monsieur. Bon. Essayez de discuter. On va lire quelques messages rapidement. On a bonjour Nekar. J'aimerais savoir qui a fait le premier pas au début de leur relation de la part de monsieur Armel depuis Bobo Diolasso. C'est le monsieur, bien sûr. La fille le dit. Quand il est arrivé dans la maison, il a tout fait pour pouvoir sortir avec sa propriétaire. Alors, Naïda, Elias Tokos à toi. Bon, ben voilà. Ton fan club est réveillé. Bonjour, moi c'est Idriss. Est-ce que vous avez la version du gars? Bonjour, le plateau. Il y a des hommes qui aiment faire des attrapes nigo pour voir si elle peut supporter certaines choses. Voilà. On ne fait pas confiance aux hommes d'aujourd'hui. C'est Chey depuis Mongo. Merci beaucoup. Elias, je suis un homme, mais arrête. Il ne faut pas cautionner ce genre de choses. Je ne cautionne pas. Alors, on a bonjour à vous. Bonjour. Je viens d'abord remercier la sœur pour son grand cœur et l'encourager à rester telle. Il faut qu'elle sache qu'elle n'a rien à se reprocher. Elle n'a pas du tout été bête. L'amour nous aveugle souvent qu'elle chasse ce cancre et, le déménage de la zone. Si elle cherche un bon gars, je suis là. C'est Nico. Alors, la meilleure façon... Bonjour les Nectariens, juste pour vous dire un bonjour. Et la meilleure façon de faire les choses, c'est le dialogue. Donc, si la jeune femme était informée de la visite de la copine et de son amie, elle devait garder au moins son calme. Je suis garçon, mais désolé, les propos d'Elias ne sont pas avérés. Ben Walla, depuis Kara City. Merci beaucoup à vous. Démocratie. Bonjour, la fille n'a pas le droit car malgré leur relation, l'homme est son locataire. Si ses parents étaient là, pourrait-elle réagir de la sorte?
Alors, salut, comment allez-vous? Elle n'a pas dit que le garde ne paye pas le loyer. C'est de la pauvre. Elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit. Elle a dit qu'elle vient des fois en aide pour ses petits déplacements en tout, en tout. Ça, on n'a même pas besoin d'avoir cette version. Il ne paye pas. Elle est fondée. On vous connaît, là. On vous connaît. Vous connaissez qui? Alors, coucou, l'année dernière. Moi, je dirais que le monsieur est ingrat. Il n'a même aucun respect pour cette fille qui lui a tout fait en ramenant une autre fille dans la même maison. La fille seule sait quoi faire face à un acte pareil. Même s'il veut épouser deux femmes, est-ce que c'était la bonne manière de le lui dire pour cette fille qui a toujours été là pour lui, d'accord? Un adage dit « tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute ». Donc cet homme est en train de manipuler cette femme. Merci à vous. Merci infiniment. Et on a ce message qui dit « que la femme renonce à l'homme ». Parlons d'amour, si elle s'entête de continuer cette relation sous prétexte qu'elle l'aime éperdument, il faudra qu'elle sache que sa vie en dépendra, car rien ne prouve que cet homme qui au début n'a pas été franc avec elle le sera dans l'avenir, de la part de Roberta. Merci beaucoup. Roberta. Et bon, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué, il y a beaucoup de messages et rebonjour à vous. Elia, je te soutiens fort. Nous, on ne déçoit pas, on amène la paix. Fafa. Et ça, c'est vous, mais votre frère, là. Il faut continuer par parler. Il faut lui parler. Il faut aller discuter une dernière je fois, je pense que dans cette histoire, la fille doit cultiver la patience. Ah, alors, il faut discuter une dernière fois, une dernière discussion, madame. C'est important. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Moi et mon mari, on s'est mariés il y a de cela 14 ans, mais pas légalement. Et après un an, il a enceinte une fille. Et il aime vraiment la fille, il veut vraiment épouser la fille. Bon, c'est un peu compliqué ce matin avec tous les messages qu'on a. Bonjour, s'il vous plaît, l'âge aussi compte. Est-ce que la femme n'est pas plus âgée que l'homme? Absolument pas. Je gardais ça pour la fin. On va clôturer sur l'histoire. C'est une petite fille. Moi, c'est ce que j'attendais pour avoir toutes les réactions avant de dévoiler son âge. Moi, je trouve que c'est une petite fille et qu'il faudrait qu'elle aille bâtir sa vie d'abord. Elle a 20 ans. Et le monsieur en a 32. Wow. Pardon, je le laisse. Chasse-le. Il faut le laisser. On va te donner, Elias. 20 ans. L'amour n'a pas d'âge, les filles. Elias, quitte la main. L'amour n'a pas d'âge. Le monsieur a abusé de la fille. Est-ce que je vais dire oui? Le monsieur a abusé de la fille. La flamme. La flamme de l'amour. Il n'y a plus de flamme. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Maman a peur de ça. Elle a 20 ans. Oui. Et le monsieur a 32 ans. Prendre en charge un homme à 20 ans. Oh non, c'est pas bon. Je crois sincèrement que la dame... Tu mérites mieux. Tu mérites mieux. Oui. Il te faut un homme qui s'aime, qui a une vision. Tu as besoin d'un bon mari. Oui. José, vas-y, attaque. Il faut le chasser. Vas-y, c'est pas tu as besoin d'un homme qui a une vision. Oui, qui veut réussir. Alors, bonjour, s'il vous plaît. Si on se base sur la patience, le thème dont vous avez parlé aujourd'hui, que la jeune femme fasse tout pour lui redonner ses 50 000 francs dans l'amour. Parce que c'est dans la colère que mon jeune frère a agi ainsi, sinon les deux s'aiment. Et vous, les femmes, vous nous faites plus que ça, mais on se patiente jusqu'à vous épouser. Non, ça, c'est un autre débat, ça. C'est un autre débat, c'est faux. Que la dame soit patiente et se calme pour lui parler avec amour. Le jeune va retrouver un bon sentiment pour elle. Anazim depuis qu'il y a... Anazim, respect total. Même pas forcé, c'est quoi? Vous le bonheur pas, de la fille. Vous ne trouvez pas qu'il faut discuter? Vous savez pourquoi la fille n'a pas informé son papa ou sa famille? C'est parce que sa famille ne peut jamais accepter ça. Oui, bon, alors c'est vrai que la famille a un niveau social un peu élevé déjà. Et comme elle l'a dit dans son témoignage, le père est assez bien, la maman aussi. Et je crois que ça va être un peu compliqué. C'est pour ça, en fait, qu'ils étaient en train de tout programmer pour faire sortir le jeune homme de la maison. Pour ne pas dire que c'est mon locataire et il veut m'épouser. Le papa va tout de suite voir ça autrement, je crois. Donc là, c'est un peu... Bon, alors, bonjour, Neta Yua, 20 ans. Elle se presse, pourquoi? Qu'elle arrête ça au risque d'avoir des regrets. Bon, ben, voilà. Chérie, l'amour n'a pas d'âge. Hein. Moi, j'ai 25 ans et mon mari 35. Courage à vous, les femmes. D'accord. Merci beaucoup. Coucou à vous. Je pense que cette jeune femme doit se consacrer sur son avenir au lieu de vouloir casser sa vie pour un gars.
de 32 ans. Bon, vous savez, l'amour, c'est l'amour aussi. Sincèrement, hein. C'est l'amour. Mm-hmm. On ne peut pas le comprendre. C'est pour ça qu'il faut aimer avec la tête. C'est voilà, voilà. Déjà, elle-même, elle a du mal à le présenter à ses parents. C'est qu'il y a quelque chose, oui. Elle doute. Mais non, après ça, tu amènes votre famille, tu jettes la tête. Comme je l'ai dit, c'est le premier problème. Elle n'arrive pas à présenter le monsieur aux parents, donc c'est grave. C'est sincèrement, elle est naïve. Elle mérite mieux. La vie est trop belle, ma chérie. Retourne à tes cahiers. D'accord ? Merci infiniment. Et on a ce message qui dit « Bonjour à vous tous. Comment est-ce que vous allez ?» Ça va, nous allons bien. Nectar, tu es doux comme miel dans sucre. Ok. Ah, miel, miel dans sucre, là même, c'est beaucoup. Hein. Maintenant, il faut quand même que je vous explique quelque chose. Les jeunes hommes d'aujourd'hui, nous cherchons à chasser et à sucer. Mademoiselle, monsieur te chasse et il te suce. Mmh. Si tu veux être intelligente pour ne pas énerver tes parents et faire leur fierté, je t'en prie, écoute ton père que je suis et oublie-le, tu auras du respect et quelqu'un d'autre qui a beaucoup de respect pour toi viendra vers toi. Mmh. Maintenant, quant au jeune homme qui est sur le plateau, je pense que tu feras un très bon mari parce qu'on voit en toi un cœur rempli d'amour. Voilà, c'est papa Doudouquet qui s'appelle. Merci papa, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Les telles phrases, ça fait plaisir. Je suis un bon. Alors bonjour à vous. Moi, je me suis mariée à 22 ans. Il n'y a pas d'âge pour l'amour. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge, mais je crois qu'il y a quand même la préparation qui est très importante. On a parlé de l'impatience aujourd'hui. Chacun a son âge déterminé. Et quand la personne que vous avez en face de vous est quelqu'un, vous sentez quand même les prémices des aptitudes, du respect, de la dignité, de l'amour et de tout ce qui peut s'en suivre. Alors oui, on se jette à fond et on se bat pour consolider cet amour-là. Maintenant, quand déjà aussi jeune, vous êtes en train de voir des choses qui sont des relents totalement de non-humanité, selon moi, je pense qu'il faut d'abord penser à sa famille, penser à son avenir, penser à sa dignité de femme et ensuite pouvoir lutter par rapport à cela. Voilà ce que moi j'avais envie de dire. Et plusieurs personnes envoient des messages pour nous demander le numéro de mademoiselle en disant qu'eux, ils sont sérieux. Vous aussi, vous voulez aller devenir locataire sans payer. Ah, c'est clair. C'est clair, hein, c'est intéressant. Le demandeur sera sur la page et exact. Vous pouvez continuer à lui donner des conseils. Merci, ma chère Naïda. Voilà. Et donc, cette fois-ci, on va en musique. On va terminer avec une belle sortie que vous avez déjà commencé à voir sur la chaîne de télévision. Et on vous en dit pas plus. On se retrouve juste après ceci. On parle d'amour à 20 ans avec un jeune homme de 32 ans. Eux aussi se sont connus, le jeune homme à 17 ans, elle-même elle a 13 ans, le gars a voyagé. Est-ce que c'est loin des yeux, près du cœur ou c'est près du cœur, près des yeux? On ne le sait pas encore, mais en tout cas, tout ça là nous parle de Didi P. T'as David Souaouiz. Yo, bonjour ma belle. Bonjour mon cœur. Bonjour à vous. Tu veux l'épouser? Non. Ah, lui? Non. Ah, pourquoi tu as dit en même temps? Non, bah parce qu'on se connaît. C'est moi. On se connaît, c'est pourquoi? Ok, c'est bon, elle veut m'épouser. Oui, il n'a qu'à amener la dot et puis c'est fini. Oh, donc tu vas jamais te marier. Le gars là. Le problème que j'ai, c'est que je n'accepte pas les dots à une feuille. À deux, trois formants et tout, ça marche. Il y a ça, de parler. Tu manges l'argent de la dot, il faut laisser la fête. Très bonjour Diana. Bonjour. T'es magnifique. Bon, comme toujours, hein, c'est Diana. Comme toi aussi. Hein. Ah, ben, vous êtes toutes. Bon, merci. À cause de lui, là, vous êtes tous mignons. Ah, moi là. Il a tout gâté. Tout gâté. Tu peux quand même dire mignonne. Hein, parce que lui-même, mignonne. Se voilà. Sent dans son cœur. Vous êtes toutes mignonnes. Il est mignon. Et c'est fini, non? Merci, ouais. Bon, voilà.
Alors, okay, en tout cas, je suis ravie d'être encore sur ce plateau avec vous ce matin. C'est un grand plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir aussi. Voilà. Ça fait un moment, ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas vus. Oui, on s'est oui pas bien vu sûr. Encore depuis 2021. C'est pas vu, hein, c'est en 2020. C'était en 2020, je n'étais pas, j'étais de passage, effectivement. Voilà. Alors donc, maintenant, on est en 2021. Oui. Et c'est vrai qu'on se disait, mais attends, c'est sûr, on a loué Dieu. À cause de toi, là, maintenant, là, je vais à l'église toujours en blanc. Ah, il faut aller, c'est hein. Important. C'est j'ai vraiment une veste important. Blanche, là, je lave ça tous les samedis, tous les dimanches, je mets ça pour aller. Donc, ça veut dire que tu dois m'offrir une nouvelle veste. T'inquiète pas, pour les vestes, là, c'est versé oua. On va chercher, après on revient terminer l'émission. Voilà. On va terminer d'abord. Mais si on commence, ça, si on y va, là, non, non, non. Il va falloir lever. On doit terminer l'émission d'abord. Tu es vraiment mauvaise. Le nouveau véhicule d'Elia, c'est pour une invitation précise. Attention. T'as rien à dire. Nouvelle sortie. Oui. Et c'est un featuring. Oui. Deux des plus belles voix du panel musical togolais. Il s'agit bien sûr... Bon, vous deux là... J'ai eu peur, hein. J'ai cru que tu allais être infidèle à mon fils parce que oh là là. On sent l'amour vrai, vrai là même. Donc, Dieu. Fils. Hein, mon fils. Adolphe, c'est lui là. Ah, mais attendez. Naïda, tu as quoi? Mais on sent l'amour. Moi, la prochaine, c'était de voir si on sent vraiment l'amour. L'amour, pas entre vous deux. Hein. Non. Entre Diana et Eden Raké. Alors, raconte-nous rapidement, donc, quand même, ce nouveau projet-là avant qu'on puisse découvrir ça. Le nouveau projet, c'est Dizipé, comme tout le monde le sait. C'est un feat que j'ai fait avec Eden parce que c'est l'une des meilleures voix de R&B à Lomé. Mm-hmm. Donc, c'est un ami et tout pour moi, quoi. Mm-hmm. Lui et moi, on partage. Qui est obligé de dire tout là. Tout. Je veux comprendre. C'est un ami, on est tout le temps ensemble, on est plus que des amis même. C'est au-delà de l'amitié quand même en tout cas. C'est vrai Didipé là. Oui, c'est vrai Didipé. Ah. Voilà. Hein? Révélation chapitre 1. Toutes les filles qui aiment Eden là. Sachez que révélation de Diana, tous les tontons, Diana Pomade, Diana, je vais ton locataire, tout ça là. N'oubliez. Donc voilà, on a créé ensemble ce bébé DJP comme ça. On est rentré en studio et puis ça a donné DJP tout simplement. Et avec le grand, bon, notre feu Omar B, des Kings, on a travaillé depuis 2019, oui. Ah. Le projet était déjà OK en 2019. C'est sur mon album. Oui. Okay. C'est sur mon album Cœur donné. Oui. Donc, oui. Voilà. Pour tous ceux qui se sont procurés du CD de l'album, ils ont peut-être déjà écouté. Mais bon, nous-mêmes, on se connaît. Mm-hmm. On achète le CD de l'album, ben, on revient à la maison, on n'a même plus le temps de l'écouter. On se dit, il y a quelques chansons déjà sur YouTube, j'écoute. J'ai déjà acheté l'album et c'est fini. Oui. Donc, la plupart des gens, ils ne savent pas que le son d'IZIP est sur l'album. Voilà. Ils se sont dit, ah, comment on a travaillé en 2021, il n'y a pas le feu au Mabi. Donc, c'est par là, je leur explique, non, le son est déjà fait depuis fort longtemps. Et en plus, on a pensé sortir ce son parce qu'on doit aussi obligatoirement le rendre hommage. Exactement. Voilà, parce que c'est quelqu'un vraiment... j'ai partagé beaucoup de choses aussi avec lui. Mm-hmm. Donc, du coup, c'est l'idée, quoi, de lui rendre hommage à notre manière. Voilà. Rendre hommage à votre manière, à Omar B Forever. Hein. Yeah. Et comme Melka sait si bien le faire, c'est sûr que nous allons écouter, parce que bon, le clip est déjà là, on le suit, on l'aime, on danse dessus. Et pour tous les fans qui nous suivent aujourd'hui, pendant que David Ayana sera ici en train de chanter, M. Elias va l'accompagner, va remplacer Eden Raké, et les deux vont jouer le DJP.
Edem, j'espère que tu ne regardes pas. En tout cas, pour ceux qui ne comprennent pas Didi Pella, c'est une chanson d'amour. Ça parle de la distance, de ceux qui s'aiment à distance. Si tu aimes même à Gblekome, ta chérie à Zangera, c'est Didi Pella déjà. C'est pas forcément. C'est pas forcément en Europe. On va se voir à la TVT. Parce que vous n'êtes pas tout ensemble. Oui. C'est déjà Didi Pella. Oui. C'est déjà Didi Pella. Les gens croient que ils se disent qu'il faut être forcément être dans un autre pays. Non, non. Mais quelqu'un peut être à Lomé, ton conjoint peut être à Dapaon, à Kara, c'est déjà Didi Pella. C'est pourquoi il y a des gens qui préfèrent se faire le tatouage dans la maison. Ah là, c'est Didi. Allez, c'est parti avec la complicité de Melka. Didi Pella, et oui, hein, quand l'amour est vrai, quand il est... Il a fini avec moi. Quand l'amour est vrai, en tout cas, une chose est sûre. Voilà, bon, on ne pense plus à la distance, hein, si c'est le vrai amour, l'amour agapé même. Tout ce que les gens vont dire contre vous, ou bien contre ta conjointe ou ton conjoint. On s'en fout, quoi. On continue. On continue. Du coup, moi, là, il y a deux questions. Oui. Bon, il nous reste une minute pour terminer. Donc, ces deux questions-là, je les avais préparées pour toi. La première, oui. Le nom de ton vrai cœur, là, il s'appelle comment? S'il te plaît, regarde la caméra, voilà. Le nom de mon vrai cœur, il se connaît. Non, Dana, il se reconnaît depuis. Donc, je lui fais un gros bisou. Je l'aime beaucoup de tout mon cœur. Il est à Didi Pella, donc voilà. Deuxième question. Non, c'est rien. Le gars dans le clip là, vous avez retrouvé son portable. Ah oui. Comment tu as jeté le portable là? Parce que c'est le gars là, franchement, il voulait nous détruire, quoi. Détruire le couple. Parce qu'il est venu
partir avec mon conjoint pour l'aider à aller se réaliser Après il revient vers moi pour me dire des boba et pour récupérer sa place. Mais évidemment il peut pas retrouver le portable. Non, il ne peut pas retrouver le portable. Je suis déjà partie. Alors en tout cas Didipé, on peut le retrouver déjà sur l'album Cœur Donné de Diana, sorti en 2019. Oui, en 2019. Et c'est une réalisation avec, c'est un featuring avec Eden Braquet, mais une réalisation de Omar B, qu'on porte encore et toujours dans le cœur. J'ai aimé trop à la fin du film comment vous avez mis sa photo. Merci. Et puis aussi, sur leur chaîne, vous pouvez YouTube. Vous pouvez retrouver... Oui, sur mon compte YouTube, Diana Diva. C'est sur mon compte seulement. Okay. Ah, d'accord. Voilà. Okay, Diana Diva, officiel, sur le compte YouTube. Et pour tous ceux qui veulent me suivre, tous les fans, voilà. Et abonnez-vous à mon compte Facebook, Diana Diva, officiel, évidemment. Et voilà. Et Instagram, et Diana Instagram officiel, aussi. Voilà. Bah écoute, Diana, on te retrouve très très bientôt sur ce plateau-là. Ouais, hein. On a des cœurs à donner. Voilà. Cœur donner. Merci infiniment. Non, à vous le merci. Merci beaucoup à toute l'équipe qui a travaillé avec nous aujourd'hui, à la réalisation, ma partenaire de toujours, avec laquelle on va aller à l'invitation conduite par Elias et Chachou de Melka. Gros bisous à toi. Melka t'attend la sortie du clapé. Et on a merci à toute l'équipe technique, à nos preneurs de son. Merci surtout à vous, chers amis téléspectateurs. Merci à toi, Navi Sandy. On se retrouve pour parler des astuces avec l'huile de Nîmes vendredi. Merci Diana, merci Monsieur Cœur Donné. Merci. Merci Monsieur Cœur Donné, voilà. José, bébé. On vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et bye bye.